Monsieur Thomas Mesnier, pour République Merci, en Marche. Professeur. Merci, Madame la Présidente. Alors, de mon côté, Monsieur Fischer, je voulais vous remercier pour la qualité de votre discours, posé, précis, qui n'élude aucun doute, aucune question. Car oui, cette obligation de vaccination poussée à 11 vaccins répond à un enjeu de santé publique, à une mesure de solidarité et de protection de nos enfants et des plus vulnérables. Je précise que je suis médecin, que je n'ai aucun conflit d'intérêt sur le sujet. Et je voulais simplement vous poser une question pour aller un petit peu plus loin sur ce que vous pensez de l'obligation de vaccination des professionnels de santé en maternité contre la coqueluche. Et à l'autre extrémité de la vie, si je peux dire ainsi, sur l'obligation de vaccination contre la grippe et le pneumocoque des personnes âgées en collectivité, je pense notamment aux EHPAD. Je vous remercie. Alors, je vais vous passer la parole, professeur, pour les réponses aux diverses questions qui vous ont été posées, et celle du rapporteur aussi, qui conclura peut-être. Voilà, merci. Les aspects, les enjeux économiques, la réponse est très rapide. Le surcoût, entre guillemets, si on arrive à passer de 80 à 95% de couverture vaccinale pour les 11 valences mentionnées, est de l'ordre de 10 à 20 millions d'euros. Donc c'est une somme qui à mettre en balance. Le budget des vaccins, je crois que c'est de l'ordre de 500 millions d'euros. Donc c'est une somme assez modeste. Et le budget des médicaments, vous connaissez, on est dans les milliards et les milliards. Et il faut mettre en balance le fait qu'on va réduire un certain nombre de dépenses de santé, d'antibiothérapie notamment, et d'autres dépenses de santé liées à des hospitalisations pour des pneumonies et des méningites, et même des séjours en réanimation, et la prise en charge de séquelles. Je fais allusion aux enfants qui ont des amputations après une méningite. C'est quand même quelques pourcents des cas de méningite chaque année en France. C'est un drame horrible. Je pourrais vous avoir apporté des photos. C'est absolument atroce ce qu'on a vu une fois. On n'a vraiment plus envie de revoir cela une seconde fois, je peux vous dire. Donc, la discussion économique, c'est pas un enjeu. On est autour de petites sommes, et probablement, in fine, ça ne coûtera rien, et peut-être même il y aura un gain économique, indépendamment du gain de santé, pour notre pays. Donc, je pense que voilà la réponse. La seconde question, c'était communication, pédagogie pour rassurer et faire mieux adhérer les familles. Oui, bien sûr, on en a déjà parlé tout à l'heure. Toutes les mesures sont bonnes. Communication, ça peut passer par les médias, la télévision, les journaux, des campagnes. Je répète, comme cela a été fait dans le passé pour la sécurité routière, peut-être avec des images choc. Je m'interroge, mais on en a parlé dans notre rapport. Est-ce que pendant le suivi de la grossesse, cette question pourrait être abordée? Pourquoi pas? Je ne suis pas sûr que les femmes, pendant la grossesse, y soient très sensibles. Au moment des cours... Si vous dites que oui, alors OK. Mais je ne suis pas 100% sûr. Mais pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. C'est juste, il y a beaucoup d'informations à donner à une femme enceinte. Hein. Beaucoup, beaucoup d'informations. Et il faut faire attention, mettre des priorités. Au moment de la naissance, sûrement. Sûrement, et là, les sages-femmes jouent un rôle très important. Elles le font. Hein. Elles le font déjà en particulier pour la prévention de la coqueluche, mais ça peut aller au-delà et d'expliquer le calendrier vaccinal. Le pédiatre de la maternité peut jouer aussi, évidemment, un rôle. C'est absolument clair. Madame, vous avez posé et fait beaucoup de points. La réponse à votre question prendrait beaucoup de temps et je ne pourrais vraiment pas avoir le temps de tout répondre à tout, spécifiquement sur le travail et les conclusions de la concertation citoyenne. Je me permets de dire que votre présentation des choses est inexacte. Je m'explique. Il nous a été demandé par la ministre, d'une part, de réunir les jurys, mais aussi, elle nous avait demandé, ce qu'on n'a pas fait de cette façon-là, de réunir un jury professionnel. On n'a pas réuni un jury professionnel parce que ça ne paraissait pas adapté. On a auditionné les professionnels. On ne nous a pas simplement demandé de retranscrire l'avis des jurys. On nous a demandé de faire une synthèse à travers les avis des jurys et l'expertise de scientifiques au sens large, hein, intégrant notamment des spécialistes des sciences humaines, et ce qui a été largement fait. Et ce que vous dites est exact. Lorsque le texte du travail des professionnels de santé, lorsqu'ils ont élaboré leur texte, était d'ouvrir le débat, je ne reprends pas vos termes, et que le jury citoyen était partagé. Mais je vous suggère, à partir du site de la concertation citoyenne, concertation-vaccination.fr, il y a un endroit où vous pouvez aller cliquer sur les annexes. Et dans les annexes, vous allez trouver un film avec le son qui est d'une réunion qui a eu lieu, je ne sais plus quel jour du mois d'octobre 2016, où il y a eu une discussion extrêmement intéressante et riche entre les deux jurys et le comité d'orientation de la concertation.
Et ça va vous prendre 2h30, parce que ça a duré longtemps. C'était un travail approfondi, mais dont la conclusion a été, à une personne près, un consensus sur le fait, avec toutes ces personnes. Donc c'était un travail élaboré au-delà de leur rapport écrit. On est un mois plus tard. Il y avait un consensus quasi unanime avec les jurys sur le fait qu'on ne pouvait pas se permettre de lever l'obligation et qu'il fallait recourir pour façon temporaire, on a même discuté du temps, mais c'était une discussion sans grand intérêt parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, à cet élargissement de l'obligation vaccinale. Donc le compte-rendu que vous faites et qui traîne dans un certain nombre de médias, et je suis désolé de le dire, inexact, il faut aller au fond du travail de la concertation citoyenne qui comprend aussi cette étape-là extrêmement importante. Montagnier, je respecte le travail de Montagnier qui a découvert le virus du sida avec, pas tout seul, avec, son nom m'échappe, c'est horrible parce que c'est le mérite qui a eu pris, avec, c'est terrible, les noms, ça c'est mon âge, il faut me vacciner contre l'âge. Jean-Louis Yenmoi, le nom de la collègue de Montagnier. Bon, quelqu'un va. Bon, ok. Bon, bref, en tous les cas, ce magnifique travail. Pardon. Il a le même âge, c'est pour ça. Bon. Bref, ils ont fait un superbe travail qui est de découvrir la cause du sida, mais ça ne donne pas autorité à M. Montagnier aujourd'hui de dire n'importe quoi. Et je le dis publiquement, aujourd'hui, M. Montagnier dit n'importe quoi sur la vaccination, et ceci n'a aucun sens, ne correspond pas à l'expertise scientifique mondiale dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'y inclus, vous avez fait allusion à aluminium autisme occulté, je vous renvoie à un texte qui est disponible, un courrier qui a été adressé par 570 organisations scientifiques, médicales, associations de patients, associations de citoyens, écrit à M. Trump en février 2017. Et vous le trouverez, ce courrier, il est largement facile, très, très facilement disponible sur le web, où ces 570 institutions, qui doivent représenter, je ne sais pas, des centaines de milliers de personnes, toute l'expertise américaine dans le domaine de la vaccination, dit à M. Trump, je résume, en gros, même si c'est un tout petit peu rapide, les vaccins sont efficaces et sûrs, arrêtés, et de parler du lien entre vaccination et autisme, et renvoie à 40 publications scientifiques, vous les trouverez, vous pouvez les lire, qui montrent qu'il n'y a pas de lien. Donc il faut arrêter avec ces allégations qui sont fausses, qui sont des typiques fake news, et qui initialement sont liées à la tricherie d'un médecin, en plus intéressé financièrement, en Grande-Bretagne, qui s'appelle M. Wakefield. Vous voyez, je suis très clair et direct sur cette question. Donc, urgence sanitaire avérée, je suis désolé, mais on ne peut pas se permettre, je viens de me répéter, d'accepter de prendre le risque de voir demain, déjà, on ne peut pas accepter des choses aujourd'hui qu'on voit en France, des cas de méningite terribles, des décès et des séquelles, de voir des quelques coqueluches dramatiques, des rougeoles, et encore une jeune fille qui est décédée de rougeole il y a quelques semaines en France, c'est inacceptable. Et non seulement on ne veut pas ça, mais on ne veut pas qu'en plus ça se rencontre multiplié par 2, 3, 4, 5, voire 10 si on laisse faire. Donc c'est le mot urgence est sans doute trop fort, mais en tous les cas c'est une obligation sanitaire avérée. Je le définirai ainsi. Et la quatrième intervention concernait obligation de vaccination des professionnels de santé à la maternité, notamment de la coqueluche. C'est compliqué parce que la vaccination contre la coqueluche n'est pas la meilleure du monde, a une mémoire qui est modeste, et il y a peut-être même une certaine saturation si on répète la vaccination. Donc ce n'est pas une question qui est scientifiquement tranchée, c'est malheureusement un tout petit peu compliqué. La vaccination contre la grippe et le pneumocoque des personnes âgées, certainement tant qu'ils peuvent l'être, c'est-à-dire en gros jusqu'à 75 ans, au-delà de 75-80 ans, malheureusement le système immunitaire décline, peut-être qu'on trouvera des trucs à l'avenir pour l'améliorer, mais la vaccination devient inefficace. Donc la protection des personnes très âgées, c'est effectivement les masques et les gants, ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi la vaccination de toutes les personnes qui travaillent en EHPAD, ou les familles, les amis, enfin bref, toutes les personnes qui sont autour des personnes âgées au-delà de 75-80 ans.